voudrais parler surtout de la prière ce matin. Dans Luc chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parfois, on a l'impression que Dieu ne va pas répondre. Mais Jésus dit, il ne faut pas se relâcher. Et il partage cette parabole pour le souligner. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Nous avons tendance à vouloir que le Seigneur réagisse après une prière de 2 minutes. Jésus souligne le fait que nous devons persévérer avec foi et que nous devons crier jour et nuit si nous voulons vraiment être exaucés. Dans Marc chapitre 11, au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais il a ajouté, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc nos prières peuvent être arrêtées si notre cœur n'est pas droit. Mais le Seigneur nous pousse à prier avec foi, sans douter. Jacques a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je vous demande, est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous priez de manière précise selon les promesses de la parole? Est-ce que vous priez non pas pour vous-même, mais surtout pour les autres? C'est ça la volonté de Dieu. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Seigneur, agis dans nos cœurs, dans nos vies, que cette nouvelle année soit une année magnifique devant toi. Fais grâce à tous. Change nos cœurs, nos pensées, nos paroles,
nos actions, nos réactions. Seigneur, façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Que les autres voient que Jésus-Christ vit en nous. Aide-nous à être véritablement la lumière du monde, parce que tu agis en nous par ton esprit. Nous te demandons, Père, toutes ces choses, au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous demande de nouveau, est-ce que vous avez une vie de prière? J'ai une suggestion pour vous. Quand vous priez, ne priez pas de manière générale. Je suggère que vous ayez un cahier et un stylo et que vous marquiez dans ce cahier ce que vous avez demandé au Seigneur, afin que quand il va exaucer, vous pourrez lui rendre grâce. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ce sont des paroles et rien de plus. Le Saint-Esprit désire nous guider dans notre manière de prier. Déjà, nous avons un guide dans la Bible. Nous devrions prier en premier que nous soyons vraiment libérés de tout pouvoir du péché, qu'il n'y ait aucun péché dans notre vie, qu'il n'y ait aucune habitude mauvaise dans notre vie. Dans 2 Chroniques, est-ce que vous voulez que la France soit bénie? Vous voulez vraiment que vos familles soient sauvées? Que vos voisins, vos voisines soient sauvés? Dans 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 14, Dieu dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. » Est-ce que vous avez une pleine victoire sur tout péché? Ou est-ce que vous êtes toujours lié par une habitude mauvaise? Cherchez la face de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur. Comment nous humilier? Selon David, il s'humiliait par le jeûne. Il sautait des repas. Daniel aussi. Il était dans un jeûne de 3 semaines quand l'ange lui a parlé. Elle lui a révélé l'avenir. Nous devrions prier ainsi pour nous-mêmes. Mais nous devrions prier aussi pour les autres dans l'Église de la même manière, selon 1 Jean 5. Si nous voyons un frère, une sœur en Christ, qui est lié par le péché, nous ne devrions pas critiquer cette personne, juger cette personne. Nous sommes appelés à intercéder pour cette personne, que Dieu lui donne la vie. Celui qui est lié par le péché n'a pas une pleine vie en Christ. Une telle personne n'a pas la joie du Seigneur. Nous devrions prier que toutes les personnes qui viennent dans l'Assemblée soient véritablement délivrées du pouvoir du péché et du pouvoir de tout esprit mauvais qui les pousse à pécher. Selon Jacques 5, nous devrions prier les uns pour les autres. Nous devrions confesser nos péchés les uns aux autres afin que nous soyons guéris.
Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on reste malade. C'est sa volonté de guérir, mais nous devons saisir la guérison divine, rechercher Dieu pour la guérison divine. Nous devons croire aux promesses de sa parole. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Est-ce qu'il peut mentir? Sa parole dit qu'il pardonne tout péché et qu'il guérit toute maladie. Le psaume 103. Nous devrions prier les uns pour les autres que tous soient guéris. Combien de personnes ont besoin de guérison divine? Élevez votre main. Regardez autour. Il y a pas mal de personnes qui ont besoin de guérison. Prions les uns pour les autres. Confessons nos péchés les uns aux autres. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Nous devrions prier pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles, uniquement pour que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Lisez Actes 4. Menacés de mort, l'Église a prié ensemble comme dans Salom. Et ils priaient dans ce sens. Et la terre a tremblé. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit de nouveau. Et tous annonçaient la parole avec assurance. Et il y avait des miracles extraordinaires. Il y avait des cas où des centaines, des milliers étaient guéris d'un seul coup. La Bible dit que tous étaient guéris. Nous devrions demander ces choses, croire pour ces choses. Nous devrions utiliser la parole de la foi dans ce sens. Nous devrions prier, comme je l'ai déjà mentionné, pour la protection de Dieu sur les membres de nos familles, pour les membres de nos familles, pour les gens autour. Dieu nous appelle à prier pour notre pays, pour les chrétiens dans le monde. Vous savez, les nouvelles sont terribles. Je l'ai dit dans un autre message, vous l'avez peut-être vu, il y a un chrétien en train d'être tué toutes les 5 minutes, quelque part. Je viens de mettre sur Facebook une photo d'un chrétien qui vient d'être crucifié. Ce n'est pas le premier. Et selon les prophéties de la Bible, l'Antichrist arrive. Et il prendra le contrôle de l'Europe en premier. Ensuite, du monde entier. Et il est possible que l'Antichrist soit déjà révélé. J'ai mis sur Facebook un article par un ex-musulman qui est chrétien, prédicateur. Il a fait la comparaison avec tous les passages qui parlent de l'Antichrist et d'Erdogan, responsable de la Turquie. Tout correspond. Erdogan vient d'être nommé par les imams le chef de tous les musulmans. C'était de la Turquie qu'il y avait le califat du passé, qui correspond avec la résurrection de la bête de l'Apocalypse. En même temps, il vient de dire qu'il trouvait que la présidence, les manières d'Hitler
était quelque chose à imiter. Il avait déjà annoncé qu'il comptait envahir Israël. Et les musulmans qui viennent de parler de lui ainsi, plusieurs l'élèvent comme étant Dieu. Ça fait froid dans le dos. Mais nous savons que l'Antéchrist, si c'est lui ou un autre, il arrive. Nous sommes à la fin des temps. Et ça va être, c'est déjà terrible pour énormément de chrétiens selon l'endroit où ils habitent. Jésus a parlé de ces choses dans Luc 21. Il a dit ceci au verset 36. Je devrais lire peut-être à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parlait de son retour au Soudan. Il parlait aussi des problèmes terribles. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tous n'échapperont pas à la mort. Car la Bible, dans l'Apocalypse, parle de beaucoup de chrétiens qui seront tués. Et ces chrétiens vont crier devant le trône, « Pourquoi tu ne juges pas maintenant ?» Et le Seigneur leur dit simplement qu'il y a d'autres qui doivent passer par le même chemin. Dieu ne protège pas tous les chrétiens. Il n'a pas protégé ses propres disciples. Il avait prophétisé à Pierre comment il serait un martyr. Et Pierre devait choisir s'il allait vraiment aller jusqu'au bout dans ce sens. Nous devons préparer nos cœurs. Il y a des gens qui, depuis longtemps, enseignent de manière dogmatique que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant tout ces événements terribles. Mais il n'y a aucune raison d'être dogmatique parce que moi, je peux vous montrer les failles dans toutes les argumentations. Et je ne vais pas vous dire quand exactement le Christ va revenir parce que je ne sais pas du tout. Il pourrait enlever l'Église au début de la tribulation. Pourrait l'enlever au milieu ou uniquement à la fin quand il va revenir. Ce qui compte, c'est de prier en temps, en tout temps, et d'être préparé à tout. Les gens qui croient trop que Dieu va protéger tout le monde, si ça n'arrive pas, ça va ébranler leur foi. Ça pourrait causer leur chute. Il faut être préparé à tout. Et déjà, combien de chrétiens sont morts dans différents pays? C'est déjà la grande tribulation pour eux, en quelque sorte. Mais le Christ nous invite à veiller, à prier en tout temps, afin de pouvoir échapper à ces choses. Pourquoi échapper? Parce que jusqu'au bout, on peut gagner des âmes. Parce que jusqu'au bout, nous pouvons parler et dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Le Christ ne nous appelle pas à nous cacher quelque part. Avoir peur de la mort, au contraire, il nous appelle à annoncer sa parole, que ce soit devant un voisin
ou devant un roi, ou devant l'Antéchrist. Il veut nous remplir de l'esprit et du courage de l'esprit pour faire ce que les premiers apôtres ont fait en son nom. Nous devrions prier pour tous les membres de l'Église et pour les chrétiens dans le monde, qu'ils mettent vraiment le Seigneur à la première place. Comment mettre le Seigneur à la première place? On met déjà son Église à la première place. Jésus-Christ est mort pour avoir une Église. Les gens qui viennent ensemble. Aujourd'hui, nous avons de soi-disant églises de Facebook. En fait, ils ne vont dans aucune assemblée. Ils ont des idées complètement anti-bibliques, mais ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils ont plein de paroles pour critiquer telle et telle église, tel et tel pasteur, tel et tel chrétien. Mais en fait, ce sont des gens qui iront en enfer. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église de Jésus-Christ. On doit être unis avec d'autres croyants dans des assemblées et selon la parole. Et c'est important qu'on mette le Seigneur à la première place. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, les vrais chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes. En principe, théoriquement, selon la parole, les chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Seigneur, pour accomplir sa volonté. Parce que Dieu nous donne à tous le ministère de la réconciliation. Et nous devons pousser les gens à être réconciliés avec Dieu. Mais tous les hommes sont condamnés. Les gens du monde chantent, mais nous irons tous au ciel. Ils ne comprennent pas qu'ils iront tous en enfer. C'est ça la vérité de la parole. Tout homme, sans exception, ira en enfer, à moins de saisir la main du seul vrai sauveur, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète des derniers temps qui va vous sauver. Nous avons de plus en plus de menteurs qui parlent ainsi. Jésus est la seule personne qui peut vous sauver. Selon Hébreux 7, au verset 25, il sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Les vrais chrétiens marchent selon ses commandements. Ils prouvent leur amour pour le Christ par l'obéissance à sa parole. Et alors, ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur ne donne pas l'Esprit à n'importe qui. Il donne l'Esprit Saint uniquement aux personnes qui lui obéissent, qui l'aiment véritablement avec tout leur cœur. Nous devrions prier que tous les croyants deviennent de vrais gagnants d'âme. Selon Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des arbres. Nous ne voulons pas simplement porter du fruit, nous devons aider ce fruit à se développer, à devenir un arbre aussi portant du fruit. Nous devrions suivre les âmes. Le pasteur ne peut pas le faire.
Il faut que chaque membre de l'Église soit occupé à cela, qu'on veille les uns sur les autres, afin de nous exciter à la charité, selon Hébreux 10, le verset 24. Nous devrions prier que tous arrivent à demeurer continuellement en Christ. La vie vient de lui, la puissance vient de lui. Et je vous demande ce matin, est-ce que vous êtes vraiment unis avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes baptisés par immersion totale? Si vous ne l'êtes pas, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Selon Romains chapitre 6, nous devenons une même plante avec le Christ par le baptême. Par le baptême. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous n'êtes pas encore baptisé de manière biblique, n'attendez plus. J'ai oublié d'annoncer qu'il y aura un service de baptême le 17, il y a quelques personnes. Et les cours de baptême vont recommencer le 10. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, suivez les cours de baptême. Faites-vous baptiser le plus vite possible. Si vous mourrez maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Si vous n'êtes pas baptisé, c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Nous devenons une même plante avec le Christ par le baptême. Est-ce que vous voulez vraiment plaire à Dieu? Est-ce que vous voulez plaire au pasteur? Il y a des choses à faire pour plaire au Seigneur. Comme je viens de dire, il faut prier pour les autres. Il faut prier pour les responsables. Si vous voulez plaire à Dieu, servez dans l'Église. Ne soyez pas un simple spectateur. Faites partie des groupes d'évangélisation les samedis ou en semaine. Demandez à d'autres de vous aider à distribuer des invitations. Faites partie de l'accueil. On a besoin de plus de personnes à l'accueil, à toutes les réunions, et surtout des hommes, parce qu'il faut de plus en plus d'hommes pour protéger en cas de problème. Offrez vos services, servez dans l'Église. Ne soyez pas un simple spectateur. Parlez en bien de l'Église et faites taire les gens qui ne parlent pas en bien. Reprenez les gens qui parlent de manière négative dans tous les domaines. Il faut parler de manière positive, selon les promesses de la parole. Vous savez, les gens qui ont toujours la critique dans leur bouche contre tout et tous sont des gens qui ont des problèmes spirituels graves, mais graves. David refusait de parler contre Saül, même quand Saül était possédé de démons. Il avait reçu l'onction de Dieu avant. Dieu lui a retiré le Saint-Esprit à cause de sa désobéissance. Saül a essayé de ôter la vie à David plusieurs fois, mais David a refusé de parler contre loin de l'Éternel. Et Dieu l'a béni.
pour cela. Les gens qui critiquent, qui croient tout savoir, sont des gens qui ont un problème devant Dieu, un problème d'orgueil, parfois un problème de jalousie. Parfois, c'est que de tels gens veulent diriger, dominer sur les autres. Il faut rejeter de telles attitudes. Nous devons nous humilier devant Dieu. S'il veut se servir de nous, il va nous élever. On n'a pas besoin de chercher une place ou de diminuer quelqu'un d'autre pour avoir sa place. Mais il y a un autre problème qui devient de plus en plus grave. Il y a de plus en plus de sectes dirigées par des antichrists, de faux prophètes, de faux enseignants. Leurs fausses doctrines sont subtiles. Il y en a plein sur l'Internet, sur Facebook. Ils entraînent des dizaines de milliers de gens qui quittent leurs églises. Et en plus, ils envoient ces gens dans les églises. Vous croyez que ce sont de vrais chrétiens? Ils deviennent vos amis. Et en fait, ils sont là pour vous faire partir de l'église. Ils sont là pour, derrière, critiquer la doctrine de l'église, les prédications de l'église. Faites très attention. Nous risquons d'en avoir plein. Parce que je ne mâche pas mes mots sur Facebook et sur l'Internet. Je les dénonce de manière terrible. Parce que ce sont des gens qui mènent des milliers de gens en enfer avec leur fausse doctrine. Donc je vous encourage à faire attention. Aimez tout le monde, mais ne vous laissez pas tromper. Vous savez que même quelqu'un qui est en règle avec Dieu, plus ou moins, peut être manipulé par le diable. Quelqu'un qui ne connaît pas encore pleinement les choses de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Un jour, il lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » Parce que Pierre, qui ne comprenait rien, disait, mais Seigneur, tu ne vas jamais mourir. Jésus avait parlé de sa crucifixion. Et le Seigneur savait que l'idée, la parole qui sortait de sa bouche était inspirée par le diable. Nous devons faire très attention. Mais 2016 peut être une année magnifique si on saisit la victoire avec des paroles de foi et en veillant, en priant, en tout temps. Amen. Père Céleste, je prie pour toute personne ici. Seigneur, purifie-nous entièrement. Qu'il n'y ait point de péché dans nos vies, que nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ en tout temps, que nos paroles édifient les autres autour de nous. Seigneur, aide-nous à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Seigneur, tu es mort pour nous. Aide-nous à être prêts à aller jusqu'à la mort pour toi. Aide-nous à gagner des âmes. En demeurant en toi, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Seigneur, que les personnes qui hésitaient n'hésitent plus. Que tous se fassent baptiser d'eau. Et que tous soient baptisés de l'Esprit Saint. Avec le signe de parler en langue,
et que les dons du Saint-Esprit soient manifestés au travers de tous. Seigneur, envoie un vrai réveil dans nos cœurs, dans notre Église et dans toutes les églises du monde par ton Esprit Saint. Dévoile ceux qui sont malhonnêtes, hypocrites et qui sont même contre toi et ta parole. Aide-nous à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous voulez dire au Seigneur, « Me voici, pardonne-moi, purifie-moi, sauve-moi. Je veux être un vrai disciple, je veux passer par les eaux du baptême. Je désire recevoir tout ce que tu as promis. » Je veux accomplir ta volonté dans ces derniers temps. Si c'est votre désir, élevez votre main vers le Seigneur. Je voudrais prier pour vous. Élevez votre main, gardez votre main élevée. Il y a pas mal de personnes. Père Céleste, tu connais chaque personne. Tu connais nos faiblesses. Que tous deviennent forts en toi par le Saint-Esprit. Que tous s'engagent et marchent avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Seigneur, agis par ton esprit. Agis par ton esprit. Je vous invite à vous lever